Good morgen, allez, Iden, les tueurs aujourd'hui, le Nishmat, Mouriv, Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Sarah Bat Hana, Rachel, Shlomo Ben Esther, Shlomo Nissim Ben Sarah, ainsi que dire Fouat, Sarah Bat Beti Rivka, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider nos prochaines études de deux Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions ma Sechet Menachot, Perek Yud Vet, Mishnah Dalet, Mitnadev Adam Mincha Shel Shishi Misaron, ou Mevi Bikli Echad, Imamar Are Alai Shishi, Mevi Echad, Mevi Shishi Bikli Echad, ואחד בכלי אחד, שכן ציבור מביא ביום טוב ראשון של חג שיכל להיות בשבת 61. דיו ליחיד שיהיה פחות מן הציבור אחד. אמר רבי שמעון, והלא אלו לפרים ואלו לכבשים, ואין הנבללים עם זה עם זה, אלא עד 60 יכולים להיבלל. אמרו לו, 60 נבללים, 61, אין נבללים. אמר להם, כל מידות חכמים כן, ב-40 שעה הוא טובל, ב-40 שעה חסר כור טוב, אין הוא יכול לטבול בהם. אין מתנדבים לוג, 2 ו-5, אבל מתנדבים 3 ו-4 ו-6, ומשישה הוא למעלה. שכמה סתם תדעו דירקטומו, מתנדב אדם מנחה של 60 מסערון, un homme peut, s'il veut, faire un vœu, un don d'apporter une mincha, jusqu'à même une quantité de 60 isaron, ou mevi bikli echad, et il les apportera, les 60 isaron, s'il le veut, s'il en a fait la condition, c'est comme on apprenait dans la Mishnah précédente, il peut décider s'il le veut de l'apporter en un seul ustensile, même les 60. Par contre, imamar are alai shishim ve echad, par contre, s'il a dit que je vais apporter 61 isaron, alors là, on ne va pas lui dire que tu apportes les 61 dans un seul ustensile, non. Mevi shishim bikli echad, ve echad bikli echad. Il devra apporter les 60 dans un ustensile, et un, il sera obligé d'ouvrir un nouvel ustensile. On explique très rapidement. On apprenait hier que quelqu'un, on a la possibilité de faire un don de menachot, d'apporter la quantité de semoule que l'on veut. À partir de un log, il faut toujours que ce soit une unité de un issaron à chaque fois, une unité d'un issaron, mais je peux décider d'apporter, on avait vu dans la mission précédente, je peux décider d'apporter deux fois un issaron, ou d'apporter un issaron dans ou apporter deux issaron dans un même ustensile. C'est-à-dire qu'au lieu de faire deux cadeaux, je veux faire un seul grand cadeau. Et je peux, si je veux, même monter la barre jusqu'à 10, 20, 30, 40, 50, même 60 issaron. Vous imaginez la quantité, on va se retrouver dans un seul gros ustensile du Bet HaMikdash. Je me demande comment, à quoi il ressemblait cet ustensile, qui pouvait contenir l'équivalent de 60 fois 1,6 kg. Faites le calcul tout seul, ou d'après le Chazonish, ça fait 1 kg fois 60 fois 2,5 kg, une quantité gigantesque auquel arrive, d'après tout le monde, on a dépassé les 100 kg de blé, de farine, de semoule. Et il y avait apparemment un énorme ustensile, j'imagine, au Bet HaMikdash qui pouvait le contenir. Et on versait dedans l'huile et on pétrissait dedans. D'accord ? Le sujet maintenant de notre Mishnah, il est d'enseigner. Sache que si tu veux faire un don d'apporter une grosse mincha, eh bien si tu veux, jusqu'à 60, tu peux les inclure dans un seul ustensile. Mais si tu as dépassé les 60, tu es monté maintenant à 61, alors on va t'imposer, on va te limiter, on va te dire 60 dans un ustensile si tu veux, mais ensuite le 1, tu l'apportes dans un ustensile à part. On ne fait pas un cli, un ustensile du Bet HaMikdash avec 61. Il n'y a pas de récipient avec 61. Pourquoi ? C'est la question de notre Mishnah. Il va y avoir deux raisons. Une première raison avancée par Tanakama, la deuxième raison qui va être avancée par Rabbi Shimon, et du coup ça va nous faire entrer dans la discussion entre Rabbi Shimon et Chachamim. Et on commence tout de suite avec la première raison de Chachamim. Donc, comme ce qu'on a dit, quand tu fais le don d'apporter 60 isaron, si tu le veux, tu pourras les apporter en un seul récipient. C'est-à-dire, j'insiste, apporter en un seul récipient, ça signifie que tu fais un gros cadeau, pas deux fois un cadeau. Un cadeau double. Un cadeau double, la différence, elle sera que quoi? Par exemple, le comets que tu vas vouloir prendre, eh ben, tu prendras un seul comets sur les 60. Tu ne prendras pas 60 comètes parce qu'il y a 60 fois un issaron. Alors que si tu l'apportais en 60 ustensiles, en 60 tronçons de mincha, enfin je ne sais pas comment dire, d'accord, chaque 60 unités, tu dois faire 60 comètes. Il y a même une discussion, combien d'huile faudra-t-il rajouter? Est-ce qu'il faudra rajouter un seul log pour les 60 ou 60 logs? Mais sur ça, il y avait une discussion qu'on apprenait dans le Mishnah plus haut, c'était Perek Tet. Mishnah Gimel, Yamin Marguerite, Rebelezer, Ben Yaakov et Chachamim. Bartanois l'évoque ici.
D'accord? En tout cas, maintenant, on va commencer à apprendre maintenant pourquoi Chachamim ont fixé la barre à 60, mais pas 61. Alors, le premier avis, Tanakama, le premier avis de la Mishnah va m'enseigner. Sheken tzibur mevi beyom tov arishon shel chag shechal yot beshabbat shishim ve'echad. Car telle est la dose, la quantité que un korban public, un sacrifice public, telle est la quantité de semoule de mincha que l'on va apporter. C'est-à-dire, on a une configuration dans tout le calendrier juif, une configuration où on va avoir le maximum de menachot à apporter. En korban tzibur, on va se retrouver avec 61 menachot, une quantité de 61 isaron dans une journée. Et donc, et on va expliquer, je vais faire le détail tout de suite, le long bartanora, c'est pour expliquer exactement ça. Donc, étant donné que le korban public le plus gros du calendrier, de l'histoire, quoi, on se retrouve avec 61 menachot, 61 isaron, une mincha de 61 isaron, de ce fait, d'ayo la yachid, sheye pachot mina tzibur echad. Alors, il suffit de différencier l'individuel du public avec une seule différence. C'est-à-dire, puisque finalement, je cherche à savoir, en théorie, je pourrais même te permettre d'apporter 90 isaron en un seul kli, si tu veux, on te trouvera un kli adapté au Beth Amikdash pour faire ta mitra de la sorte. Seulement, il y a un problème. C'est que on veut pas que l'individuel apporte quelque chose de plus gros que quand c'est le public. Il y a une certaine logique dans ça, vous comprenez naturellement, que si tous les juifs qui s'unissent, qui offrent une offrande à Hachem, alors ils ont pu apporter que ça, hein. C'est pas digne qu'il y ait un particulier qui va venir, qui va apporter encore plus. Ça rabaisse le kavod du public, d'accord? Donc l'individuel devra toujours être inférieur à ce que le public peut faire. Le korban public le plus garni, le plus riche qui existe en Menachot, il se retrouve le premier jour de Sukkot, si de Sukkot il tombe Shabbat. Pour quelle raison? On a fini Sukkot il y a maintenant un peu plus d'un mois et demi. Vous rappelez sûrement que tous les jours on disait Bayom, Arishon, il y a le nombre de Parim et de Elim et de Kvasim. Il y avait des Korbanot. Concrètement, il y avait à chaque fois, je vous le dis tout de suite, il y avait deux Haïl, il y avait 14 moutons et il y avait les Korbanot, les Parim, Paré Achag justement, que tous les jours ils diminuaient. On commençait avec 13, 12, 11, 19, 8, 7. Et ça faisait tout 70 par rapport aux 70 ou Mot. Ça, c'est pas le sujet de notre Mishnah. Donc il s'avère que la configuration la plus garnie, la plus riche, où tu as apporté plein de korbanot, au Beth Amikdash, donc plein de menachot, qui sont des korban tzibur, eh bien on se retrouve lorsque le premier jour de Sukkot tombe un Shabbat. Pourquoi? Il va y avoir, puisque c'est le premier jour de Sukkot, alors déjà on a 13 vaches, on a 14 moutons, on a 2 haïl, 2 béliers. À part ça, on a les moutons classiques. Alors, on a les Shnei et Tmidim, le Korban Tamid, tous les jours qu'il faut porter le Korban Tamid. Les Shnei et Kivse Moussa, encore adossé avec deux moutons de Moussaf, du Shabbat. D'accord? Le Korban Tamid, c'est le Korban perpétuel, un mouton matin, un mouton soir. Et en plus de ça, les moutons du Moussaf de Shabbat. Le Shabbat, il faut porter deux Kvasim. Et à chaque fois que l'on apporte un Korban, si c'est un par, un taureau, il faudra porter Veniskem, Khatsi, Hahin, Yel, à part. Au Shlishit, là-bas, il faut apporter donc 3 Isaron. D'accord? On le dit dans le Korban de Rosh Chodesh, qu'on va lire d'ailleurs, qu'on fait aujourd'hui, quoi. On est à Rosh Chodesh maintenant. Donc, dans le Korban de Rosh Chodesh, on va le dire qu'on apporte Shlosha Esronim la part, ou Shne Esronim la Ha'il, ve Isaron la Keves. Les quantités qu'on apporte, c'est 3 Isaron pour un par, pour un mouton, 2 Isaron pour un Ha'il, pour un bélier adulte, et 1 Isaron pour un mouton. Dans ce cas-là, venons, on fait le compte, on a dit qu'on a 13 vaches, 13 taureaux. 13 taureaux pour 3 isaron pour chaque taureau, donc ça nous fait déjà 39. Ensuite, il y a 14 gvasim, 14 moutons dans le korban spécifique à Sukkot. Chaque mouton, ça nous fait 1 isaron. Donc 14 isaron. 39 plus 14, alors ça va nous faire combien? Allez, 53 je crois. D'accord? À part ça, on rajoute 2 isaron la haïl. Et il y a 2 haïl, donc 4 isaron supplémentaires, on est arrivé à mettre à 57. 57 isaron. À part ça, tu rajoutes 2 tuminim, le korban tamid, le korban perpétuel, un matin, un soir, 2 moutons. Donc si c'est des moutons, tu rajoutes 1 isaron. Et ensuite, on a aussi les 2 kivsatseret qui font chacun un mouton aussi, un keves, c'est un mouton. Et lui, de nouveau, 1 et 1. Donc ça nous fait 4 supplémentaires. Nous sommes arrivés à 61. La journée la plus fournie, garnie, je sais pas comment le dire, au Beth Amikdash, où le public va apporter le maximum de menachot, ça va se résoudre à 61 isaron. De ce fait,
On a dit, ce n'est pas digne que l'individuel apporte plus que le public, ni même autant que le public. Il apporte toujours un inférieur, donc il apporte 60. De là est la source pour Chachamim. Pourquoi ? Jusqu'à 60, tu fais en un ustensile, à partir de 61, tu fais en deux ustensiles. Tel est l'avis de Chachamim, donc. Le premier avis de la Mishnah. Amar Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Ve'alo, elou la parim, ve'elou la kvasim. Ve'enam nivlalim ze'imze. C'est faux ton histoire. Parce que si tu veux me prouver du korban de Sukkot que l'on apporte, il n'a jamais été question de mettre les 61 dans un seul ustensile. Et chacun, il doit être offert indépendamment. D'autant plus qu'on ne peut même pas les mélanger. Comme ce qu'on apprenait là-haut, justement, dans la Mishnah de Perektet, Mishnah Adalet, je crois que c'était ce qu'il y avait, ou je ne sais plus. On a un problème avec... On ne peut pas mélanger les menachot. Concrètement, même si on voudrait les mélanger ensemble, il y aura un grave problème. On ne peut pas mélanger une mincha qui vient avec un keves, avec un mouton, avec une mincha qui vient avec un par. Un par, un taureau, lui, pour une quantité de 3 isaron, on va lui mettre 3 logs d'huile, donc pour un isaron, un log, tandis que pour le mouton, on va lui mettre 2 logs, on va lui donner 3 logs pour un isaron. Il a une quantité 2 fois plus haute d'huile. D'accord ? Plus 3 fois même. D'accord ? Je ne suis plus dans le calcul, ça va porter dans le Barthénora. Donc, ok, donc on a un problème qu'on ne peut même pas les mélanger, ces deux menachot. Il y en a une qui est plus grasse que l'autre qui est plus sèche. Et si tu les mélanges, une elle va absorber l'huile de l'autre, elle va diminuer la quantité de l'huile de l'autre, elle va en donner plus. D'accord ? Donc on va fausser la donne et on ne pourra pas les mélanger. Donc concrètement, vous, Chachamim, vous me dites que lorsqu'un individu apporte, il pourra apporter jusqu'à 60 dans un ustensile, parce que tu le compares au public, le public il n'a jamais apporté une mincha en un seul ustensile. Donc tu ne peux pas apporter une preuve, c'est pas là-bas. Ouais, je relis les mots. Amar Rabbi Shimon, ve'alo, elou la parim, ve'elou la kvasim. Je ne comprends pas ton histoire, comment tu fais ton calcul de 61. Tu m'as inclus dedans des korbanot, des menachot qui viennent avec un taureau, et des menachot qui viennent avec un mouton. Et c'est une catastrophe. Ve'enam nivralim ze'imze. Ce ne sont pas deux choses qui peuvent se mélanger. Un, il va fausser la concentration de l'autre. Et ça va devenir pas soul, comme ça, après, dans les Mishnah est en haut. Alors d'où ça vient l'histoire de 60 et 61? Aucun rapport avec ce que tu racontes, une toute autre histoire. Et là, Hachishim Yicholim Lehibalel. Parce que jusqu'à 60, on réussit à les pétrir ensemble. On explique très rapidement. On avait dit qu'il faut. Dans chaque mincha, on prend la semoule, on verse dedans de l'huile et il faut être bolel. Il faut faire une blila, il faut en faire une issa, une pâte, il faut les mélanger. Alors maintenant, le Rabbi Shimon me dit, tu sais quoi ? Sache que l'ustensile qu'il y avait au Beit HaMikdash, il pouvait contenir jusqu'à 60 issaron de semoule, et tu le mettais dedans avec la quantité d'huile requise, et tu réussissais encore à tout malaxer ensemble. Mais si tu mettais 61, tu ne pourras plus malaxer. Entre parenthèses, le Barthénora rapporte, donc je suis fidèle au texte, je vous le dis, j'ai peur que ça va embrouiller, je vous le dis en une petite phrase. Concrètement, il y a une mitzvah de mélanger, mais il n'y a pas d'obligation de mélanger. C'est-à-dire, si toutefois j'ai fait une mincha sans mélanger, c'est quand même validé a posteriori, même si je n'ai pas mélangé. Mais à condition que l'ustensile dans lequel tout se mélange, ce soit un ustensile que l'on peut concrètement, ou l'on peut dedans pétrir. Je m'explique, très simplement. Je prends les 60 isaron, je mets dedans la quantité d'huile requise, je peux encore tout mélanger. Ah, tu peux tout mélanger ? Tu n'es pas obligé de mélanger. Si tu l'as fait, tu as une mise à de le faire. Si tu ne l'as pas fait, le korban est quand même validé. Mais si tu as mis 61 isaron avec tes quantités d'huile, pour le moment ça tient. Tant que tu ne mets pas tes mains dedans, ça ne déborde pas. Le problème est que dès que tu vas voir pétrir, ça va déborder, ça ne va plus pouvoir y rester. De ce fait, puisque c'est un ustensile que tu ne peux pas pétrir, eh bien, l'ustensile, il ne rend pas kadosh la mincha, ça l'invalide. D'accord ? C'est ce qu'on appelle kol haroui lebila, bila me'akevet. Vechol shen roui lebila, bila me'akevet. C'est la dernière phrase du Barthénora, du long Barthénora, du début de la Mishnah. Ensuite, donc, l'avis de Rabbi Shimon, il n'a aucun rapport avec une comparaison des menachot que l'on apporte à un jour particulier. Aucun rapport. C'est juste un problème technique de pétrissage. Amourolo, alors, Rabbi m'a rétorqué, on dit, mais je comprends pas, là, t'as abusé, Rabbi Shimon. T'as pris un gros ustensile où dedans ça pouvait contenir 60 et mettre dedans ton huile et tout malaxé et t'avais pas de problème. Et d'un coup, parce que tu vas rajouter encore
un supplémentaire, alors ça y est, tu vas plus pouvoir pétrir. Bien sûr que tu pourras pétrir. Ce sera encore un petit peu délicat, mais tu vas réussir à le faire. Amroulo, je comprends pas ton histoire. Shishim nivlalim, shishim ve'echad. En nivlalim. Quoi, t'as fixé la barre à 60 parce que tu dis jusqu'à 60 on peut pétrir. À partir de 61 on peut pas pétrir. Peut-être qu'il y a des gens plus doués, moins gauchers, qui vont réussir à pétrir sans que ça se déborde. Amarlem, Rabbi Shimon leur a torqué une grande règle. Kol midot chachamim ken. Toutes les mesures que chachamim ont fixées dans la Torah, ça se passe comme ça. Tu vas pouvoir toujours pouvoir arriver à la dernière limite et me dire là c'est encore bon, là c'est plus bon et commencer à jouer sur les. Sur les limites. Mais malgré tout, comme ça, ça va. Toutes les mesures que Khamim ont fixées, c'est comme ça. Regardez un exemple. Barbaim, c'est à Utovel. Dans 40 CA, on te permet, ceux qui veulent se tremper au Mikvé pour devenir pur, ils doivent se tremper dans 40 CA. Et si c'est Barbaim, c'est à Chaser, Kortov, et Khalidbol. Et s'il y avait 40 CA, mais moins un tout petit truc, un tout petit chouïa, un petit Kortov, c'est une toute petite mesure, et bien malgré tout, il ne pourra plus se tromper. Tu constates que quoi? Que la Torah nous a fixé des limites. Au-dessous de cette limite, on ne s'acquitte pas du devoir. Même si c'est un tout petit chouïa. Donc ne me casse pas les pieds à moi aussi lorsque je te dis que 61, ça peut plus être pétri. Et toi, tu me dis, mais il va peut-être pouvoir réussir à trouver des doigts fins qui vont rentrer dedans pour pétrir. Ok, l'ustensile, il est plus apte à pétrir. Toutes les minutes de Khamim, c'est de fixer une barre. Et qu'à partir de cette barre, tu vas de l'avant. Et voilà, d'accord? Donc, en aussi, on continue la Mishnah en me disant, en mitnadvim log shnaim vachamisha. J'ai un petit doute, est-ce que ça appartient à la réponse de Rabbi Shimon, ou bien on reprend le cours de la Mishnah d'après tout le monde? Je pense qu'on peut reprendre la Mishnah d'après tout le monde, en fait. En mitnadvim log shnaim vachamisha. Celui qui veut faire un don d'huile, ouais, on a la possibilité de faire un don d'huile et d'apporter, et ce sera une... Les Kohanim le réceptionnera et le verseront, alors pas dans les Shittim, je crois qu'ils le verseront sur le Mizbeach directement. D'accord? On peut faire un don d'huile. Mais malgré tout, en mitnadvin log, on ne peut pas faire un don de un seul log, ni de Shnaim, ni même de deux logs, ni de Chamisha, ni de cinq logs. Mais aval, mitnadvin, shlosha, arbaa, veshisha, ou mishisha, ou lepala. Par contre, on pourra faire un don de trois logs, 4 logs et 6 logs, et même au-delà. Très simple. On est en train d'apprendre. On est en train de parler dans notre chapitre des quantités des offrandes que l'on offre au Beth Amikdash. On avait appris par exemple dans la Mishnah précédente que lorsque tu veux vouloir apporter une mincha de solette, tu vas devoir apporter un issaron, pas moins, et si c'est plus, tu pourras faire deux, mais pas un et demi par exemple. D'accord? La Mishnah maintenant vient, elle me dit, bah, tu sais, la mesure requise lorsque tu fais un don d'huile, tu as le choix, tu as un petit éventail. Mais le petit éventail qui implique 3, 4 et 6 logs. Mais tu ne peux pas porter ni 1, ni 2, ni 5 logs. D'accord? Pourquoi? La raison, elle est comme ça. Elle est que... Il est vrai que tu peux faire un don d'un log. Mais tu peux faire un don d'huile, mais que parallèlement à ce que l'on a trouvé ailleurs, que l'on apporte cette quantité d'huile. Or, comme ce qu'on a dit, Veniskem chatsi haïn la pa ou shleshit haïn la haïn ou vit haïn la haïn. La keves, je me suis juste trompé. Bref, regardez dans le Moussaf de Rosh Hodesh, vous allez voir là-bas que chatsi haïn, un hin, c'est 12 logs. Donc pour un par, pour un taureau, tu apportes 6 logs. Pour un bélier, tu apportes 4 logs. Le tiers de 12. Shleshit haïn. Et pour le mouton, tu apportes vit haïn. Donc 3 logs. Donc regardez les mesures qu'on a explicites dans la Torah, 3, 4 et 6. De ce fait, lorsque tu veux faire un don d'huile au Beth Amikdash, tu dois nécessairement jouer avec ces mesures. Soit tu apportes 3, soit tu apportes 4, un don de 4, soit tu apportes 6 logs, ou même plus si tu veux, tu pourras même aussi apporter 7, parce que 7 c'est 4 plus 3, 8 c'est 4 plus 4, 9 c'est 6 plus 3, 10 c'est 6 plus 4. À partir de ces 3 mesures, 3, 4 et 6, Toutes les combinaisons que tu vas pouvoir faire, donc, tu pourras décider d'apporter cette quantité d'huile. Mais tu ne peux pas apporter une quantité d'huile que la Torah n'a pas précisé. Donc, on n'hésite pas à lui caser une case dans la Torah. C'est-à-dire deux logs, ça n'existe pas dans la Torah d'apporter deux logs, dans aucune forme. Dans ce cas-là, tu ne pourras pas faire un don d'apporter deux logs. Idem pour cinq logs. On a 3, 4 et 6. De ce fait, tu dois jouer avec les 3, 4 et 6. Tu ne peux pas aboutir à 5 avec des chiffres entiers. De ce fait, tu ne peux pas apporter 5 logs. Mais à partir de 6 et au-delà, alors tu pourras apporter tout ce que tu voudras comme huile si tu veux faire un don de
95 log, tu pourras aussi le faire, parce qu'on trouvera que 95, c'est finalement la combinaison de 6 plus 3 plus ce que vous voulez, d'accord? On a compris le principe. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, Salam.